Nous sommes dans la rubrique patriotisme et civisme et nous nous intéressons à la relation qui doit exister entre le citoyen et le député. Ils sont déjà élus, ils nous représentent désormais au niveau de l'Assemblée nationale, mais quelle relation doit exister entre eux et leurs citoyens, ceux qui les ont élus? Nous avons notre chroniqueuse Maryse Aranzo-Glele pour nous répondre. Bonsoir Maryse. Bonsoir Heureuse. Merci d'être là. C'est toujours un plaisir. Alors, il est partagé. Quelle relation peut exister entre le député et le citoyen? Une relation très intéressante, heureuse. Mais avant d'y arriver, oui, il faut déjà rappeler que les députés, qui sont généralement appelés les élus du peuple, oui, sont des hommes politiques qui sont élus dans une circonscription électorale et qui siègent à l'Assemblée nationale. Oui. Cependant, compte tenu de la fonction de contrôle de l'action de gouvernement, mmh, et de vote de loi qui vaut au niveau national et qui est dévolu à l'Assemblée nationale, oui, chaque député, bien qu'élu dans une circonscription électorale, oui, représente la nation tout entière. Il exerce la souveraineté, il exerce une part de souveraineté nationale. Il a un mandat national. Mm-hmm. En effet, selon l'article 4 de notre Constitution, oui, le peuple est souverain. Mm-hmm. Le peuple exerce sa souveraineté, mm-hmm, par ses représentants élus, mm-hmm, et par voie de référendum. Donc, on comprend aisément qu'entre le citoyen, oui, qui représente le peuple, qui est un membre du peuple, qui a le pouvoir souverain, oui, et entre le député, qui est un élu du peuple, qui exerce une part de souveraineté, il y a une relation de mandant et de mandataire. C'est ça. Une relation d'envoyeur et d'envoyé. D'envoyé. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'élu, mm-hmm, sans peuple. Mm-hmm. Et donc, le député qui représente le peuple, mm-hmm, il doit tout faire pour incarner les aspirations du peuple. Du peuple. Pour refléter les options du peuple et pour défendre les intérêts du peuple. Du peuple. Et donc, pour ce faire, le, oui, député, il doit garder constamment contact avec ses mandants pour connaître leur vécu. Mm-hmm. Il doit, autant que faire se peut, oui, autant que possible, les consulter sur les contenus des projets, mm-hmm, et propositions de loi, de sorte à s'assurer qu'il prend en compte les besoins de ses mandats lorsqu'il légifère. Je vois. Il doit défendre leurs intérêts vis-à-vis du gouvernement et des pouvoirs publics dans sa fonction de contrôle de l'action gouvernementale. Il doit leur rendre régulièrement compte des décisions qu'il prend en leur nom. Mais le citoyen a aussi sa part à faire. Mm-hmm. Et le citoyen, lui, il doit partager avec les députés tout ce qui fait ses préoccupations, ses problèmes, les problèmes de sa communauté, oui, de sorte que, et faire même des propositions pertinentes aux députés, oui, pour la prise en compte de ses, pour la résolution de ses problèmes, mm-hmm, et de ses préoccupations. Il doit s'efforcer de connaître les lois qui sont votées et c'est contribuer ça, même à la vulgarisation de ces lois-là. Il doit pouvoir interpeller le député sur le respect et l'application des lois votées, mm-hmm, parce qu'il ne s'agit pas de voter seulement les lois. Il faut qu'elles soient appliquées, c'est il faut ça, qu'elles soient respectées pour que le citoyen puisse bénéficier, c'est vraiment des nouveautés et d'amélioration des conditions ça, que portent ces lois-là. Je vois. Et le citoyen, il peut aussi, de façon collégial, mm-hmm, avec d'autres citoyens, susciter le vote de loi qui, mm-hmm, vont aller dans l'amélioration des conditions de sa communauté ou de l'État. D'accord. Donc, voilà un peu les relations particulières, oui, qui peuvent exister, mm-hmm, entre le député et le, oui, citoyen. Donc, le député qui maintient contact régulier avec ses mandants, mm-hmm, avec son électorat, oui, avec les citoyens, il est vraiment pleinement dans l'esprit de son rôle et de sa fonction d'élu du peuple. C'est ça. Mais le député qui coupe ce lien-là, oui, qui ne garde pas ce contact, on va dire simplement qu'il se fourvoie. Mmh. À partir de ce moment, il ne représente plus le peuple. Le peuple. Il ne fait que se représenter lui-même. Mmh. Donc, le député et le citoyen sont comme les deux faces d'une même pièce. Ils sont consubstantiels l'un à l'autre, oui, et l'un ne peut exister sans l'autre. Sans l'autre. Et à NTC, nous recommandons aux, mmh, citoyens, oui, quand bien même ce contact ou ce lien est distendu de la part des députés, oui, il faut que le citoyen puisse trouver les voies et moyens de collaborer et de rester en contact avec les députés, car le développement, ne l'oublions pas,
commence par le citoyen. Merci beaucoup, Marisa Aranzo-Glele. Alors, chers citoyens de type nouveau, vous n'avez plus d'excuses, voilà. Lorsqu'on vous demande si vous savez où est le siège de votre député, que vous nous dites, j'avoue que je ne sais pas, moi j'ai voté, c'est passé déjà, il est là-bas, nous, nous sommes ici. Et également, vous, députés, vous n'avez pas le droit de couper les ponts avec les citoyens, ceux qui vous ont élus. Souvent, certains se disent, bon, le travail est déjà fait. Je suis là-bas déjà. Ah bon, je fais tout ce qu'il y a à faire sans consulter ma base et on attend quelques mois ou une année avant les prochaines élections législatives et puis c'est là où on reconnaît le poids du peuple et on retourne vers le peuple. Et là, souvent, le peuple sanctionne. On ne vous le souhaite pas. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour la chronique de ce soir. Nous vous invitons à présent à recevoir notre experte, notre spécialiste en participation citoyenne.